Yeah, I confess, father, I confess, 'cause I've been living wrong. Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer Arch Linux sur votre Raspberry. Je vais vous montrer l'installation et la configuration, ainsi que l'installation de l'interface graphique LXCE4. Il vous faudra une carte SD d'au moins 4 Go, une souris USB et un clavier USB. Il vous faut aussi un câble HDMI et brancher votre Raspberry à un écran. Pour commencer, alors on télécharge une image de Arch Linux ARM. Alors c'est un fichier zip, après on va le décompresser, ça va être un fichier .img. Comme ça on pourra tout de suite le flasher sur la carte SD. Voilà, alors je le télécharge. Une fois que c'est fait, je l'ai décompressé. Alors j'ouvre Etcher. Etcher fonctionne sur Windows, Mac, Linux, un peu tous les systèmes. Ça vous permet de flasher votre carte SD. Donc j'ai choisi le fichier Arch Linux ARM.img. Voilà, je le flash. Une fois que c'est fini, alors je le mets dans mon Raspberry, je mets la carte SD qui est flashée dans le Raspberry, je le branche à Internet avec un câble Ethernet. Alors je branche aussi le câble HDMI et je le relie à un écran. Voilà, le clavier et la souris USB aussi, je les branche. Une fois que le démarrage est passé, le login est root et le mot de passe est root. En premier, on change le mot de passe par défaut pour plus de sécurité. La commande est passwd. Il faut entrer deux fois le nouveau mot de passe. Il faut mettre à jour Arch Linux et la liste des paquets. Alors pour ça on fait pacman-suy et puis -syy. Toujours avec S majuscule. Alors on installe pour pouvoir se connecter à distance en SSH pacman-s-openssh qui va installer le OpenSSH. Il faut modifier OpenSSH pour permettre le login en route sur le port 22 et avec la clé publique. Alors on fait nano, l'éditeur de texte, dans etc/ssh SSHD config. Il faut enlever les commentaires à port 22, public key authentication et permit root login probit password. Il faut enlever la fin, il faut mettre permit root login yes. Ensuite, on fait ctrl x pour quitter, y pour enregistrer et enter pour confirmer. Suite à ça, alors on redémarre le système en tapant reboot simplement. Après le redémarrage, alors on fait SSH root à l'adresse IP Raspberry, on met le password qu'on a choisi avant, ou si on l'a pas changé on laisse root. Et là on va commencer à installer les packages pour l'interface graphique LXCE. Alors on installe Xorg Server. Alors si vous pose la question d'entrer enter un number, vous mettez rien, vous mettez toujours enter, comme ça il les prend tous. Ou support défaut. Voilà, j'installe le driver vidéo pour le Raspberry. J'installe gparted qui va pouvoir m'aider à créer les partitions, enfin surtout à agrandir les partitions. Alors, dans la description, je vous mettrai toutes les commandes, tous les liens. Voilà, j'installe encore des packages pour l'interface graphique.
Là, j'installe plusieurs programmes. C'est un peu les programmes de base qu'il faut avoir dans le système. Ensuite, j'installe Tiger VNC. En fait, c'est un serveur VNC. Une fois que c'est fini l'installation, je tape VNC serveur. Je rentre deux fois un mot de passe. Là, je mets N. On ne fait pas de session view only. Alors, je tape cette commande pour me connecter en fait à l'écran qui est relié en HDMI au Raspberry. Prendre le contrôle de l'interface graphique qui est reliée à l'écran. Voilà, je suis connecté. Donc, les premières secondes, les couleurs sont pas super, et après, ça devient bien automatiquement. Voilà, maintenant les couleurs sont devenues parfaites. Alors on ouvre G par tête, c'est important de le faire, sinon vous ne pourrez pas continuer l'installation. Et on voit qu'il y a beaucoup d'espace vide à disposition. Alors on prend la partition système, la EXT4, et on va l'agrandir. Pour prendre tout l'espace de la carte SD. Donc on fait resize. Voilà, il suffit de tirer comme ça pour que ça prenne tout l'espace. Et on clique sur valider et appliquer. Là, il a agrandi la partition pour qu'elle prenne tout l'espace disponible. Voilà, c'est bon. Voilà, je ferme VNC Viewer et en SSH. J'installe encore les paquets suivants. Vous les trouverez dans la description. C'est tout ce qu'il faut encore pour l'interface graphique, des drivers. Là, j'installe Firefox. LibreOffice. Alors le Network Manager, lui va nous permettre d'utiliser le Wi-Fi. Si vous ne le mettez pas, le Wi-Fi ne fonctionnera pas. Voilà, on active le service Network Manager et après on démarre, on le start. Voilà, donc là je start Network Manager. Là, je vais mettre en marche l'interface Wi-Fi, la WLAN 0. Voilà, allez, hop. Voilà, si c'est comme ça, c'est que ça a fonctionné. Alors, vous faites pacman-sc. En fait, ça vide le cache des packages. Tout ce qui a été utilisé pour les installations, vous n'aurez plus besoin. Et ensuite, on redémarre. Après le reboot, il faut entrer votre login. Et puis, vous tapez Start
XFCE4. Alors sur l'écran, vous aurez le bureau XFCE qui ira démarrer. Ça prend un peu de temps à ouvrir, une trentaine de secondes la première fois. Voilà, je me connecte en SSH, je mets cette commande pour prendre le contrôle de l'interface graphique du bureau graphique qui est relié à l'écran. Donc c'est le bureau 0. Je remets le mot de passe que j'ai choisi pour VNC. Donc là, l'installation est terminée. Je vous présente juste le bureau. Je change le fond d'écran. Donc dans Gparted, on peut voir que l'installation totale fait 3,3 gigas environ. C'est pour ça qu'il vous faut au moins une carte de 4 gigas. Là, j'ouvre Firefox pour montrer. Voilà, tout fonctionne bien, Firefox fonctionne bien. Là, j'ai ouvert Calc. C'est l'équivalent de Excel dans LibreOffice. Ça fonctionne parfaitement aussi. Si je veux me connecter à un réseau Wi-Fi, pour le faire comme ça, on ouvre Network Connection et puis on fait créer une nouvelle connexion, on choisit Wi-Fi. Et là on met le SSID, le nom du réseau Wi-Fi, la sécurité, la clé de sécurité, etc. Et puis Save. Et là il va se connecter automatiquement au réseau Wi-Fi. Alors j'ai testé, ça fonctionne bien aussi. Maintenant j'ai fait dans le terminal la commande top. Ça me permet de voir tous les services qui sont en train de fonctionner dans Raspberry. On peut voir aussi la charge sur les 4 CPU, sur les 4 cores. On peut voir load average, c'est assez bas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de regarder mes autres vidéos et abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir!